Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à un jeu de foot que je n'ai pas coutume de tester. Il s'appelle, qui se nomme European Super League. Un jeu de, bah justement, voilà, European Super League. Un jeu de, comment dirais-je, de foot, mais quasiment, mais pas terrible, pas terrible, je vais pas vous mentir. Alors c'est un petit jeu de foot assez bon, hein, qui a l'air d'être bien, mais très sincèrement, je le trouve mais quasiment mais pas très bien. Surtout qu'il y a pas mal d'équipes qui manquent cruellement à l'appel. Donc vous l'aurez compris, donc il s'agit d'un petit jeu de foot quasi sur Game Boy Advance, représentant les plus grands clubs de foot européen. Moi là pour l'instant j'ai pris le Real de Madrid et l'équipe que je dois affronter c'est Liverpool, que je choisis moi-même. Alors franchement il y a pas mal de grandes équipes, notamment le PSG, Liverpool, les deux clubs allemands, à savoir le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Côté Liverpool, côté anglais, on a juste Liverpool et Chelsea. Par contre, on n'a pas Arsenal, il n'y a pas Manchester United. Et côté français, on n'a que le PSG, il n'y a pas l'Olympique de Marseille. Non, 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 c'est... Et côté italien, bah, y a juste le Milan AC. Franchement, le jeu franchement est lamentable. Non seulement le jeu est dur à manœuvrer, mais le problème c'est que oh là là là, il est vraiment pas très manœuvrable. C'est un des sans conteste le jeu le plus mais le plus chiant mais le plus mou que j'ai jamais testé. C'est bref. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai testé mais que je vous le montre. Mais bon, je vais quand même le tester. Sinon, ça serait pas très drôle. Attention! Ouh là 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 là. Oui, alors attention. Alors donc je suis donc le Real de Madrid qui joue en bleu. Attention, attention! Ouh là, ça passe à côté. Et les joueurs de Liverpool qui jouent comme bien évidemment en rouge. Et le but, oh putain, oh là 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 là. Je vous l'ai dit, ce jeu, il va être chiant. Ce jeu, il va être très très chiant. Je sens que je vais le regretter. Je sens que je vais le regretter. Oh là 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 là. Bon, ok, pas mal de chance, je perds, c'est pas grave. Après, si vous aimez pas, tout comme moi, vous aimez pas le jeu et que vous souhaitez pas le tester, et ben ne le testez pas, voilà. Bon. J'aurais au moins eu le privilège de le tester. Et comme je suis testeur de jeux rétro, je ne vais pas passer à côté. Après, c'est à moi de juger si le jeu est bien ou pas. Pour l'instant, le jeu, je le trouve, mais vraiment pas bien. Alors, c'est parti, sortie de but. Donc, Liverpool mène. Attention, 1-0 et 2-0. Oh là 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 là. Oh putain, 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 putain. Oh là 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 là. Ouh, ça va être jouasse. Ouh, ça va être jouasse. Allez. On continue, de toute façon on n'a pas s'arrêter comme ça. Non mais on va y arriver, on va y arriver. Bon, si les autres ont réussi à marquer deux buts, je peux le faire moi aussi. Hein. Voilà pour l'instant. Ah oui, et je crois que si je me souviens bien, le jeu est sorti aux alentours de l'année 2002-2003 et quelques, qui a été édité par Aqua Pacific Game et Virgin Studio. Oui, oui Virgin, vous avez bien entendu, Virgin. Allez, 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 et passe, et passe, et passe, et passe. Non, ça va juste à côté, ah, dommage. Oh, j'aurais tant voulu marquer, oh là là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. On va pas non plus abandonner. Voilà, non. Ça ne passe pas. Ce jeu est chiant, mais ce jeu est chiant, ce jeu est chiant. Ça me rappelle l'autre jeu que j'avais déjà testé, que j'ai trouvé, mais médiocre. Et là, ah, c'est la mi-temps. Oh, mais c'est génial. Bon, écoutez, on va pas non plus faire une coupure pub. On va quasiment passer littéralement à la deuxième. Parce que j'ai vraiment pas envie de me casser le cul pour mettre une pub. Oh là là, parce que j'ai eu une semaine, un peu... ah, une faute. Bon, bref, j'ai eu une, comment dirais-je, ce qu'on peut appeler une semaine pourrave, quoi. Mais bon, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet. Allez, c'est parti. Une faute, voilà. Morientes. Morientes, il passe, il passe, il passe. Est-ce qu'il va marquer? Est-ce qu'il va marquer? Est-ce qu'il va marquer? Oui! Bah voilà, le fameux but. Bah voilà, voilà. Ça, c'est un but. Voilà. Là, pour une fois, j'ai réussi à marquer un but. Hein? Bon, d'accord, il était...
Bon, c'était pas le plus fameux, mais au moins j'ai quand même réussi à marquer. Bref, le jeu se nomme European Super League. Est-ce que ça fait référence à la fameuse Super League? Enfin, le projet Super League qu'il devait avoir là au jour, mais qui a été abandonné? Je sais pas. Je sais pas du tout. Attention! Non, 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 et les mecs, les mecs! Oh là là! Et voilà, putain! Et mais les contrôles de ce jeu, mais. Oh là là! Mais écoutez, c'est de la pisse. Franchement, c'est à la fois de la merde et de la pisse. C'est de la merde aromatisée à la pisse. Voilà. Oh là 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 là. Bon, allez, on va. Bon, allez donc, 3 à 1 pour. Oh non! Ça ne marche, ça suffira pas. Attention! Le ballon est de nouveau pour les joueurs de Liverpool, qui je vous rappelle jouent en rouge. Face à eux, le Real Madrid qui joue en bleu et blanc. Ou non, ça ne passera pas. Et Savio, Morientes. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un but! Ah bah d'accord. Eh ben j'ai réussi à marquer. Ah oui, mais oui, il y a un des joueurs de Liverpool qui a marqué un but contre son camp. Eh ben voilà. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon, au moins j'aurais réussi à une tentative, même si c'est l'autre qui l'a fait à ma place. Bon, là, qu'à dire que c'était un accident. Voilà. Bon, mis à part ça, je trouve le jeu mais vraiment mais médiocre, vraiment mais pas ouf. Franchement, pour un jeu Game Boy Advance, je le trouve mais nul à chier, sa mère. Non, 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 franchement, il est nul à chier. Enfin, c'est vraiment mais on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas gâté dans ce jeu. On n'est vraiment pas du tout gâté. On n'arrête pas de galérer. On n'arrête pas de, comment dirais-je, même à côté de ça, celui que j'ai testé, il est plus maniable. Attention, oui, attention, attention, Smisser, non, 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 ça passe juste à côté. Bon, de toute façon, le match va pas tarder à s'arrêter et on va se débarrasser de cette tumeur. Je parle du match, bien évidemment, hein. Attention, non, 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 putain, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Hey, j'essaie tant bien que mal de contrôler le ballon et les autres, ils arrêtent pas de me bolosser, mais de me le chipper. Je sais que dans le football, il faut pas traîner, mais là, c'est abusé, là. Allez, mais non, pas comme ça. Oh là là. Oh mon Dieu, putain. Ah mais à côté de ça, FIFA c'est Adibou quoi. Attention. Allez, une chose. Tiens, Salgado. Oui, attention, attention. Oui, attendez, ne vous attendez pas si vous êtes oui, dans cette gloire du foot. Hein. Attention, Casillas. Owen, sortie de but. Owen, encore une fois, non! Ça passe à côté. Oui. Et non, non, ça passe pas. Ça passe pas! Ah, et ben c'est terminé. Bon, écoutez, c'est pas plus mal parce que là, franchement. Bon, bah, victoire de Liverpool, 3 à 2 face au Real de Madrid. Oh là là, franchement, le jeu est catastrophique. Franchement, c'est un des pires jeux de foot que j'ai jamais testé. Je vais pas m'énerver parce que j'ai pas envie de me faire passer pour un rageux, mais franchement, mais c'est la déception. You lose. Mais vas-y, c'est ça, vas-y. C'est toi le loser. Et ton jeu est mal codé. Du coup, on va. Bon, c'est pas grave. Allez, je propose qu'on s'arrête ici. C'était donc European Super League sur Game Boy Advance, un jeu de foot avec des équipes européennes qui regroupent des meilleurs joueurs d'équipes du championnat européen, un peu comme la Ligue des Champions, mais vraiment, mais médiocre comme tout. Le jeu est médiocre, les contrôles sont médiocres et. Et en plus, il y a pas mal d'équipes qui manquent cruellement à l'appel. Franchement, ce jeu, c'est de la merde. Franchement, c'est vraiment de la pure grosse merde. Hein. Ouais, donc, j'espère que ça vous a plu. C'est lui comme d'hab. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests et de prochains matchs. Oh, et puis tant, j'y